Voilà, on tombe les masques pour pouvoir vous parler en direct et plus cinématographiquement quand même, avec des images de nos visages aussi. Et bienvenue donc à toutes et à tous pour cette discussion sur le film Akawati, en présence de Karim Dridi et de Paul Piritano, son monteur sur le film, et ce qui va nous permettre d'aborder des questions de cinéma certainement très intéressantes aussi. Très rapidement, comme ça, une présentation de Karim Dridi. On a eu l'occasion de le faire tout à l'heure au début de la table ronde qui a eu lieu à 14h. Mais dire quand même que c'est un sacré personnage, un vieux de la vieille du cinéma, on va dire. Super vieux. Super vieux, voilà. Qui a quand même une dizaine de longs métrages à son actif. Qui a fait beaucoup de courts métrages d'ailleurs avant. Hein. J'étais impressionné par la liste quand je regardais un petit peu la filmographie, et qui a commencé en 95 avec Pigalle, qui est un film qui a quand même bien marqué, ensuite Bye Bye, magnifique film à Marseille, ensuite Hors-jeu, Cuba Félix, Fureur, en 2008 Ramsa, 2009 Le Dernier Vol, et en 2015 Chouf. Et puis, et là je crois que c'est quelque chose qui va nous intéresser également fortement, c'est que à cette époque, vous passez au documentaire, ce qui est quand même assez rare de la part de cinéastes qui sont comme ça plongés dans la fiction et dans les longs métrages de fiction. Et vous passez au documentaire et vous allez donc sur le terrain israélo-palestinien pour faire en 2014 Quatuor Galilée et en 2020 Akawati, le film qu'on a eu l'occasion de voir aujourd'hui. Inutile de dire que tous ces films ont été largement montrés en festival, primés, Cannes, Venise, Sochi, Locarno, etc. Et qui font qu'on donc Karim Dridi est un personnage qui compte, on va dire, dans le cinéma français. Et puis alors, ce qui est super aujourd'hui, c'est que on a aussi la présence donc de Paul Piritano, dont je ne connais pas la filmographie, il faudra qu'il nous en parle, mais en tout cas qui a été monteur sur Akawati, ce qui nous permettra de poser des questions de montage. À ma gauche, comme d'habitude, puisque c'est le duo d'enfer du festival pour tous les débats, donc Tahar Chiraoui qui va introduire le débat par des questions. Voilà. Merci Olivier. Tu le disais toi-même tout à l'heure, Karim Dridi n'a pas besoin d'être présenté, il est très connu par ses films. Et en général, il y a des cinéastes qui commencent par faire des courts-métrages, ensuite ils font des longs-métrages, ils commencent par faire des documentaires, ensuite ils font des fictions. Ça, la carrière, elle est comme ça, quoi. Et quand on a affaire, c'est le cas de cinéaste qui a fait non seulement beaucoup de films de fiction, mais des films de fiction qui ont marché aussi bien sur le plan, commercial que sur le plan critique, puisqu'il a eu beaucoup de prix, et qui tout d'un coup
se dit, bah, je vais faire un documentaire. Moi, ça me rappelle, très simple, je suis désolé de parler comme ça, mais ça me rappelle comme ça des gens, enfin, j'ai eu des profs, enfin des gens, des savants comme ça, qui ont fait des parcours très, très, très sophistiqués, etc. Puis tout d'un coup, ils se mettent à dire quelque chose de très simple et on se rend compte que ce qu'ils font là est encore plus intelligent que ce qu'ils faisaient avant. Ce que je veux dire par là, simplement, au-delà évidemment de cette distinction un peu idiote qu'on fait entre le documentaire et la fiction, c'est que ce film-là en particulier, je voudrais te poser cette question, Karim, a quelque chose, on va dire les choses de façon très, très, de simple, si on le voit pour la première fois, on peut se dire, voilà, c'est un cinéaste qui débute. Mais sa valeur, c'est ça, je pense, qui va faire le sujet de notre débat, sa profondeur, sa consistance, sa complexité aussi, elle vient après, comme les bons plats, quand on mange comme ça, et après on se dit, oh là là, c'était très bon ce couscous. Et en particulier la question politique, qui évidemment, quand on a vu ton parcours, tous les films qu'on a vus de fiction, on voyait bien derrière des films qui, parfois, c'était des films de genre ou des films ceci, cela, on voit tout le temps un background quand on sait regarder les films, quoi. Et là, s'agissant d'une question bien évidemment extrêmement brûlante, qui continue, qui ne finit pas de ne pas finir, toute la complexité de la question palestinienne est très, très, c'est un casse-tête. Eh bien, elle apparaît à travers une histoire, somme toute, extrêmement simple de deux personnages, enfin, marionnettistes, etc. Et ce que je voudrais juste savoir pour commencer, avant d'entrer dans les détails, c'est arrivé comment, au départ? Le film? Oui. Akawati. C'est arrivé. Moi, j'ai toujours supporté le peuple palestinien, mais comme je supporte tous les peuples qui sont oppressés, colonisés, je suis fondamentalement anticolonialiste. Alors, il y a des raisons pour ça. Hein. Je suis issu d'un mariage entre un père tunisien ex-colonisé et d'une mère française, pas elle, ex-colonisatrice, mais quand même appartenant à la France. Donc, à la maison, on parlait de colonisation et d'anticolonialisme et tout en permanence. Et puis, la Palestine, j'en ai entendu parler toute mon enfance. Donc, je suis pro-palestinien. À un moment donné, je me dis, ouais, mais t'es pro-palestinien, mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour cette cause? Qu'est-ce que tu fais? Et j'avais jamais eu l'occasion de faire un truc, quoi. Et un jour, j'ai rencontré des musiciens qui s'appellent le trio Joubran, qui sont des musiciens extraordinaires, qui avaient fait la musique d'un de mes films, Le Dernier Vol. Et ils m'ont dit, viens chez nous, tu t'intéresses à la Palestine et tout. Et c'est parti, parce que je disais, oui, le conflit, comme vous avez dit tout à l'heure, israélo-palestinien. Ils m'ont dit, mais de quoi tu parles, Karim? Il n'y a pas de conflit. J'ai dit, comment ça? Je dis, non, il n'y a pas de conflit, c'est une guerre, c'est une colonisation, c'est une guerre coloniale. Ah d'accord. Il m'a dit, mais viens chez nous, comme ça tu vas t'en rendre compte. Donc j'ai été en Palestine avec mon ami Julien Gartner, avec qui nous avons co-réalisé le film, et on s'est dit, on va faire un film sur la musique palestinienne. Et on avait dans l'idée, on a toujours dans l'idée de faire ce film, qu'on n'a pas fait finalement, un film sur les, on voulait appeler ça les luttes. L'Outh, l'Outh en arabe, le luth, qui est un instrument magnifique. Donc, on a commencé à rencontrer plein de musiciens, aller au conservatoire et tout, aller dans les villages, partout. Et puis, on nous a dit, dans le nord du pays, j'ai du mal à dire Israël, excusez-moi, hein, dans le nord de la Palestine, enfin, ça, c'est quand même Israël, aujourd'hui, même si ça m'arrache un peu la bouche de le dire, c'est quand même, tout est là-dedans, quoi. Et donc, j'étais vraiment chaud, je suis encore très, très chaud pour défendre le peuple palestinien. Et là, je sais pas comment, mais je me suis dit, si tu fais des films en Palestine, il va falloir te calmer un peu et essayer de, on dit de mettre de l'eau dans le vin, j'aime pas non plus cette expression, mais c'était un peu ça, d'être un peu tempéré quand même. Donc, toute ta colère que tu as contre le colonialisme, parce que moi, j'étais bercé, je suis biberonné à l'anticolonialisme, quoi. Donc, il va falloir la mettre de côté et aller sur le côté humain d'abord. Donc, on s'est dit avec Julien, on voulait faire des films en Palestine, mais sans mettre en avant la question politique, sans mettre en avant la question du colonialisme et tout. Mais
En Palestine, c'est tout le temps. C'est dans la rue, vous voyez des hommes en armes. Dès qu'on arrive à l'aéroport Ben Gourion, déjà, arriver à l'aéroport Ben Gourion, c'est une expérience. Mais en sortir, c'est encore pire. Parce que j'arrive avec mon ami Julien, qui a vécu 3 ans en Palestine et tout, et qui me dit, attends, hein, tu vas voir, c'est pas simple, la douane là-bas, la police et tout, on te questionne pourquoi tu viens et tout ça. Et quand tu pars, on avait du matériel, ils nous ont fouillé, démonté le matos et tout. Mon ami Julien, qui avait passé 3 ans en Palestine, a passé 3 heures, ils l'ont déshabillé, ils l'ont fouillé partout, machin. Donc, c'est aussi ça l'expérience d'aller tourner en Palestine. Il faut le vouloir, parce que pour aller tourner en Palestine, il faut quand même arriver en Israël, ou alors à passer par les tunnels via l'Égypte. Mmh. On n'allait pas faire ça, donc on est passé comme ça. Donc l'idée, c'était de faire un film qui parlerait des Palestiniens pour des gens qui ne connaissent rien de la question palestinienne, mais en essayant de ne pas faire un tract politique, revanchard, parce que souvent les films que j'avais vus sur la Palestine, même des films extraordinaires, les Palestiniens sont souvent vus comme des victimes. C'est soit des camps de réfugiés, ou alors c'est le Hezbollah, c'est le Hamas, avec avec Gaza, les Kalachnikov, les terroristes et tout ça. Nous, on s'est dit, nous, on va pas aller sur le terrain guerrier, on va faire des films d'amour. Et notre arme, ça va être l'amour. Plus on va aimer les gens qu'on filme, et plus les gens qu'on filme véhiculeront de l'amour, plus ça va leur faire mal. Parce qu'il y a quand même l'idée de faire mal, quand même mal à l'ennemi, parce qu'il y a un ennemi, c'est celui qui colonise. Et ces types de films ne sont pas faits comme ça pour rien. Ils sont faits dans un but précis. C'est un peu comme les gens du BDS. Le BDS, c'est un mouvement qui est interdit en France de boycott. On a pour boycotter les produits qui viennent... qui sont fabriqués dans les territoires occupés. C'est un mouvement comme il y a eu le boycott de l'apartheid en Afrique du Sud. Il y a des gens qui essayent de militer. Moi, j'ai voulu militer en faisant ce film, ces films. Mmh. Ah oui. D'ailleurs, ça se voit tout de suite quand on regarde le film, quand on sait regarder un film, le plan, enfin presque le premier plan, je pense même, parce qu'il y a des choses, il y a des murs, on lit des choses, quoi. Et le premier lieu, c'est un camp palestinien, un camp très connu, qui est l'Aïda, c'est le camp de l'Aïda. Bon, évidemment, personne ne dit, on est, etc., il n'y a aucun discours, etc. Mais quand tu regardes et tu vois cette porte-là, et déjà, ça commence bien, mais pas ça commence mal. Voilà, on n'est pas dedans, et c'est tout le temps comme ça. Je veux dire, le film, en permanence, fonctionne comme ça, avec un faux premier plan, qui n'est pas si faux que ça non plus, d'une situation normale, parce que la situation normale est liée, et toujours en arrière-plan, de quelques éléments, mais importants quand on les regarde, et qui renvoient à une réalité. Après, ça va crescendo, d'ailleurs. Après, à chaque fois, ça se multiplie, les références, les discussions, les villages qui sont détruits, etc., les temples romains qui deviennent des synagogues, les villages dont on change le nom, etc. Là, ça devient de plus... Et alors, juste une deuxième question avant de passer la parole, parce que le montage, on va en parler aussi beaucoup dans ce film-là. Est-ce que, je me suis posé cette question-là maintenant, est-ce que le fait que c'est des musiciens qui ont fait appel à toi et avec lesquels tu as travaillé, n'a pas été aussi pour quelque chose, justement, dans cette façon de faire le film. Parce qu'il y a quelque chose de, j'allais dire, presque musical dans la composition du film. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme une symphonie, c'est comme une composition, en tout cas, où il y a des tons, il y a quelque chose qui est composé comme ça. Non, je ne pense pas que ce soit la rencontre avec les Joubran qui m'a donné envie de faire un film où le politique ne soit pas en premier plan. Non, c'est moi. Moi, j'ai peur de moi-même. Mm-hmm. Vous avez vu, ça se sent un petit peu. Je peux m'enflammer très vite. Mm-hmm. Au quotidien, je suis très, très sanguin. Bon, c'est vrai qu'en Tunisie, on est un peu comme ça. Peut-être ça vient de ça. Mais en même temps, ça me dessert quand je dois défendre. Moi, je suis pas un tribun, ni un prof, ni je sais pas convaincre les gens avec ma parole. Mmh.
Par contre, je sais un peu le faire avec une caméra. Et du coup, je me suis dit, tu aimes trop et qui aime, qui, comment on dit en français, qui aime trop être un, qui est, bon, bref. Hein? Non. Non, non, c'est pas ça. Quand on aime trop, en gros, si tu aimes trop, c'est tu étouffes, en gros, tu étreins, quoi. Mal étreint, je sais pas quoi. Mal étreint, comme ça. Il y a un proverbe français comme ça. Donc, du coup, c'était dangereux. Donc, je me méfiais de moi et je m'étais dit, non, il faut que ça passe. Je fais ce film pas pour rien. Voilà. C'est un film qui s'est fait avec rien. Alors, il faut quand même le dire, on a eu des refus de tout le monde. À commencer par Arte, je vous parle même pas de France Télé et tout ça. Ils nous ont même pas répondu sur le film. Voilà. Donc on a eu aucune aide, aucun soutien des télévisions. Donc on s'est dit bon ben on va partir avec rien au départ. Après on a eu un peu l'aide de la région PACA, on s'est fait qui aime trop mal étreint. Qui aime trop mal étreint. Voilà. Ça y est, ça m'est revenu. Les proverbes m'échappent en ce moment. Ça pourrait être un titre de film. Voilà, qui aime trop mal étreint. Et du coup on est parti sans fric, juste avec l'idée de tourner. Et juste avec des bénévoles comme vous ici dans ce festival magnifique, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de bénévoles. Et Paul a travaillé sur ce film et parce qu'il avait envie de s'engager sur ce film, il vous en parlera. Tous les techniciens qui ont travaillé sur ce film, on a fait un participatif, un crowdfunding, on dit maintenant. Qu'on voit dans le générique d'ailleurs à la fin. Voilà, il y a 300 contributeurs, des gens ont donné même 5 euros pour nous aider. Il y en a qui ont donné plus. Il y a eu 300 personnes qui ont contribué à nous aider à faire ce film. Donc, on a fait ce film vraiment comme un engagement. Donc, comme un engagement et comme un outil, voire comme une arme politique. C'est ça. Mais il y a eu un spectateur qui m'a fait un très, très, très beau compliment il n'y a pas longtemps. C'était de me dire... le politique dans le film, c'est justement de ne pas avoir mis le politique au premier plan. C'est ça. Donc ça, c'était l'instinct premier, de ne pas mettre trop de politique au premier plan pour ne pas abasourdir et embêter le spectateur qui ne connaît pas bien cette situation. C'était ça l'idée. Oui, ce serait tombé dans le piège. Mais justement, par rapport à l'idée de la musique, d'une sorte de globalité musicale, comme ça... ce que vous venez de dire, là, l'éclair, quoi. Moi, je pensais un peu à une fugue, parce que dans la fugue, il y a du contrepoint. Et c'est un film qui n'arrête pas de faire du contrepoint. On a des personnages comme ça qui pourraient être des héros de la lutte palestinienne, mais qui, en fait, se sont engagés toute leur vie et sont dans un état de fatigue absolue. C'est vraiment, ils sont en fin de vie quelque part et en fin de lutte quelque part. Et ils se posent la question du sens aussi, surtout en voyant leur fils qui ne prend pas la suite, quoi. Donc on a ce côté-là et en même temps on a un film qui se balade, c'est un road movie où on va découvrir la Palestine dans plein de coins absolument reculés qu'on n'aurait pas imaginé, où les gens n'ont même pas d'électricité, etc. Et puis on a un peu l'impression que eux finalement et vous à travers eux reliez tous ces espaces comme ça à travers justement quelque chose qui s'est un peu du côté de la fugue, c'est-à-dire on reprend le thème, etc. Et là, il y a une question de montage aussi. Hein. C'est-à-dire que la façon dont le film est construit, on a l'impression que il y a cette volonté de mettre des espaces en place qui se répondent, qui voilà. Et moi, on en parlait un petit peu avant. Moi, je trouve que c'est un film picaresque. Il y a un petit peu un côté comme ça, Sancho Panza et comment il s'appelle déjà. Cervantes. Oui, mais Cervantes. Oui. Don Quichotte. Donc, voilà. Quichotte. Ça m'échappait. Don Quichotte et Sancho Panza à travers les deux personnages. C'est-à-dire qu'ils sont là à s'accrocher comme ça à un truc. Et ce côté picaresque, j'avais l'impression que, à travers un montage que je trouve extrêmement intelligent et véritablement mis en avant comme ça dans la construction du film. À travers ce côté un peu fugue et ce côté pittoresque. Je ne sais pas si... Mais avant de te donner la parole pour nous dire un tout petit peu comment, est-ce que tu as eu un principe de montage, comment ça s'est passé la discussion, qu'est-ce que tu as pris, tu n'as pas pris, comment ça s'est fait. À propos de la fatigue, parce qu'on va en parler ça. Moi, alors je lis dans les synopsis, fatigué, etc. Mais derrière la fatigue, enfin, alors ils sont vieux, ils ont 60 ans, etc. Les enfants, etc. Mais quand on regarde bien, tu vois, on a l'impression qu'ils ont 25 ans. C'est... Ah oui,
C'est incroyable, cette allégresse, cette vie qu'ils ont, qui les anime. Ils ont de l'humour. En fait, c'est une fausse fatigue. Je ne sais pas comment le dire, mais je trouve que politiquement, il y a quelque chose de très intéressant. Parce que c'est une vieille cause. Il y en a marre, quoi, depuis le temps, etc. Mais en même temps, il y a du feu à l'intérieur. Il y a de l'allégresse. Il y a une vie dans ce couple-là. Et moi, il y a des moments où j'ai oublié qu'ils ont cet âge-là, quoi. Et ça, ce paradoxe me paraît effectivement intéressant et rejoint ce que tu disais par rapport à, tu vois, ce côté quotidien, etc. Et derrière, il y a quelque chose de politique. Ils ont gardé une âme d'enfant. C'est des enfants. On les voit jouer entre eux, ouais. Avoir de l'humour et tout. C'est comme des gosses. Et même les marionnettes. Il y a un amour des marionnettes. C'est pas des gens qui ont fait des marionnettes toute leur vie. Ils appartenaient à la plus grande troupe de théâtre palestinien qui était à Jérusalem, et Radi était un très grand acteur de cette troupe, et Mounira était costumière dans cette troupe. Quand cette troupe s'est éteinte, eux, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, ils ont eu l'idée des marionnettes. Et Radi est quelqu'un qui écrit des pièces de théâtre, qui écrit des livres, qui est édité dans des pays arabes et tout. C'est un penseur du théâtre. C'est vraiment quelqu'un de très fort. Et donc, il fait de la marionnette parce que c'était le plus simple pour eux de continuer à faire du théâtre itinérant et de continuer à militer pour leur identité palestinienne. Parce que quand ils vont dans tous les endroits, on ne va pas dévoiler le film, mais ils montrent ils passent dans plein d'endroits différents, avec différentes classes sociales palestiniennes. Il y a des endroits où il n'y a même pas d'électricité, il n'y a rien du tout. Et ils jouent gratuitement pour ces gens-là, c'est évident. Donc ils s'investissent, ils y vont, c'est un engagement. Donc eux étaient engagés, nous on suivait des gens engagés et on s'engageait en même temps pour eux. On partageait la même idée, c'est-à-dire de montrer le vécu des Palestiniens, mais même plus que ça, on partageait l'idée universelle. Enlevons le côté palestinien, ça pourrait être en Ardèche, ça pourrait être ici, dans le sud de la France, dans le nord de la France, deux vieux de 70 ans qui ont commencé le théâtre à 20 ans et qui vont mourir en faisant du théâtre sur scène. C'est ça leur objectif, c'est de jamais lâcher. Et on voit bien la différence qu'ils ont avec leurs enfants, et à un moment donné, leurs enfants, ils n'en peuvent plus, ils ont arrêté. Et c'est un peu ça avec la cause palestinienne. Il y a d'anciens militants, il y a des gens qui ont vécu la mort, la prison, des trucs horribles et tout, qui se sont battus toute leur vie, et des jeunes qui n'ont plus forcément envie de ça. Et c'est comment on continue, on ne lâche rien. On va jusqu'au bout, et avec le sourire, avec l'amour, on va jusqu'au bout. Alors, il y a une fatigue physique, c'est sûr, à l'image de leur camion, parce que dans le film, ils sont dans un vieux camion qui tousse et qui n'en peut plus, comme eux. Ils sont fatigués de porter leur caisse et tout, mais à l'intérieur, ils sont jeunes. Et alors, à propos de guerre, parce qu'il y a beaucoup de choses, on va parler de la mise en scène aussi, parce que là, il y a une leçon à faire sur la mise en scène. À un moment donné, il y a une déflagration. C'était très étonnant. Ça, c'est des petits moments qui montrent qu'un film est, je dirais, subtil, bien fait. Mais une vraie déflagration, quoi. C'est la guerre. Bombe, quoi. Et puis, ils se regardent quand ils en parlent. C'est comme si, je ne sais pas, quelque chose est passé, quelque chose d'anodin qui est passé. Et on sent là, à ce moment-là, la gravité. C'est-à-dire, ils sont habitués. Ils savent qu'il y a une guerre. Ils vivent de cette guerre. Et quand quelque chose qui rappelle la guerre arrive, eh ben ils en parlent comme nous parlons quand quelqu'un frappe à la porte. Et j'ai trouvé ça. Alors après, comment ça a été capté, comment ça a été filmé, c'est toutes les questions que moi je ne me suis pas arrêté de poser. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup d'autres situations. On peut multiplier les exemples de choses très graves qui se passent et qui dramaturgiquement ne sont pas mises en avant et qui restent derrière, mais qu'on ressent nous en regardant bien le film, et d'autant plus fortement qu'on les oublie pas, quoi. Voilà, parce que des choses qu'on montre comme ça, comme tu disais tout à l'heure, quand on fait un discours politique, ça s'oublie, puisque ça fait effet tout de suite, quoi. On est ému, donc après, quand on rentre chez soi, on est tout content, quoi. Voilà. Alors donc sur la question du montage, alors. C'est quoi la méthode ou... Oui, c'est-à-dire c'est l'esprit que vous avez sans doute partagé, bien sûr, mais qui est de savoir qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant dans ce côté, dans ce road movie, quoi. C'est-à-dire l'aspect picaresque dont je parlais tout à l'heure, la mise en place d'espaces comme ça qui se relient entre eux, qui du coup supposent des raccords et dans l'esprit au moins du montage, quoi. Ouais.
Bah, je pense que c'est toujours la question du point de vue qui se pose. Et pour le coup, ça se passe très bien avec Karim et avec Julien. En fait, moi, quand j'ai vu les images, évidemment, on avait beaucoup plus de choses que ce que vous avez vu, beaucoup plus de matière. Proportionnellement, à peu près. On avait 70 heures de rush, à peu près, globalement. Donc, il faut réduire. Il faut réduire la matière pour arriver un peu à l'essentiel. Et puis après, on prémonte des séquences et on structure. Enfin. Mais en fait, il y a des points d'ancrage. Il y a des choses qui se dégagent très vite. Par exemple, c'est vrai que je pense que la question de l'amour a été très vite mise en avant. Et je pense que je reviens sur cette question du point de vue parce qu'en fait, Karim et Julien ont travaillé avec le point de vue de Radhi et Mounira. Moi, c'est ce que j'ai senti. Et quand je voyais ces plans d'enfants au théâtre, je voyais le même amour que Radhi et Mounira pouvaient avoir pour ses enfants dans la caméra, dans les images de Julien et Karim. Du coup, ça, c'est des choses qui sont des piliers un peu du film. Donc ça, on sait que ça y sera et on va travailler avec ça. Une fois qu'on a des piliers comme ça, comme les rencontres avec les Bédouins, qui sont des éléments importants, il y a une narration à construire. Donc la narration avait été pensée aussi préalablement. Il y a plein d'éléments qui peuvent troubler la narration et du coup qu'on va éliminer. L'idée, c'est de simplifier, d'essayer de fluidifier en fait la narration pour arriver à quelque chose qui nous raccroche tout le long du film, donc un fil. Leur parcours, il est chaotique. Enfin, ça va de village en village. Évidemment, c'est pas monté chronologiquement, c'est-à-dire que tout ça, c'est Et ce qui influe là-dedans, c'est à la fois, effectivement, tu as parlé tout à l'heure d'éléments visuels qui viennent, comme le camp au début, des choses comme ça, qui peuvent être des éléments qui sont pris en compte. Mais je pense que principalement, après, c'est une question de rythme, en fait, enfin, qui est hyper importante. C'est-à-dire que monter un film, c'est créer du rythme. Et du coup, là, on a rythmé le film aussi en fonction des moments de vie, des réactions de Radhi et Mounira, et d'alterner ces moments de fatigue avec ces moments d'élan. Ce qui était important, c'était de savoir ça, c'est la tension du film, c'est cette fatigue qui met le film en tension. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont aller au bout? Est-ce qu'ils vont s'arrêter? Est-ce qu'ils vont continuer? Ça, c'est la tension. Et du coup, cette tension, il fallait réussir à la garder tout le long du film. Donc pour ça, il faut à la fois introduire des moments où on sent qu'il y a la fatigue qui naît un peu, qui est là, et en même temps, des moments d'élan, parce que c'est aussi un jeu d'enfant. Comme tu disais tout à l'heure, on a l'impression qu'ils ont 25 ans, mais moi, j'avais l'impression qu'ils en avaient 15, enfin, ou 10. C'est un jeu d'enfant, en fait. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là et ils s'amusent. Enfin, et même dans leurs disputes, il y a un jeu qui se joue entre eux qui est superbe. Et du coup, c'est ces moments-là de vie qui permettent de rythmer le film. Quoi. Voilà, enfin, globalement, l'important dans la structure, en tout cas, c'était de tenir cette tension jusqu'au bout. Et l'histoire des deux fils, qui nous permet, qui en réalité ne viennent qu'au début et à la fin du film, mais qui permettent justement d'encadrer tout ce voyage et qui lui donne toute sa force. Enfin, pour moi, l'histoire familiale est centrale dans ce film. Enfin, c'est-à-dire le fait que le fils, quand il s'est séparé, parce que ça, je pense que dramaturgiquement, enfin dans le rythme, c'est quand il est, on voit la voiture arriver, il y a une station de bus, on est loin, elle s'arrête, on le voit descendre, il est seul, et la voiture, elle s'en va. Ça signifie quoi du point de vue du rythme? Est-ce que c'est une manière de les libérer? C'est-à-dire c'est peut-être les pesanteurs familiales pour que... Qu'est-ce que ça signifie? Clairement, pour moi, ça signifie, c'est quand même quelque chose de très fort dans la notion de l'engagement, dans la question de l'engagement. C'est-à-dire d'être capable de dire, de laisser son fils sur le bord de la route pour continuer à s'engager pour son pays. Ouais. Oui. Je ne sais pas si beaucoup de gens seraient capables de ça, en réalité. Moi, ça me semble. De continuer le chemin. Continuer le chemin et de continuer à lutter et à s'engager. Non pas que le fils ne veuille pas s'engager, la question est différente. Pour qu'il puisse voler de ses propres ailes aussi, lui prendre. Puisse se libérer lui aussi, bien sûr. C'est ça. Mais du coup, ça renforce d'autant plus l'idée de continuer. La continuité de la vie. De l'engagement. D'ailleurs, le film finit comme ça.
Un peu comme dans un film de Chaplin. Quoi. Vous spoliez tout le film. Non, on n'a pas dit. Il faut donner envie aux gens d'aller voir le film. Ça, on raconte tout. On est après séance. Ça fait un peu bizarre, là, dans ce festival. Où... Ah, on est censé avoir vu le film. Ah oui, mais si, ça fait un moment. Le film est court depuis 10 heures du matin. Non, ça arrive, ça arrive. Tout de suite même. Si tu as fini, Paul, il y a des questions. On a les questions des spectateurs, justement, qui ont vu le film. Oui, alors, à propos de ce camion qui tousse et des scènes qui sont tournées à l'intérieur, Catherine trouve que dans ces scènes qui montrent les parents et leurs fils, on se croirait presque dans une fiction. Ouais. Et elle se demande comment vous avez fait pour rester aussi discret dans un espace aussi petit. On n'est pas du tout discret, hein. On vit avec eux, on mange avec eux, on dort chez eux, on fait partie du truc. L'idée, c'est pas d'être discret, c'est d'être accepté. Alors après, sur l'histoire de la fiction, on va parler un peu de cinéma, mais l'histoire de la fiction et du documentaire, moi, j'ai du mal avec ça. Alors, est-ce que ça vient de moi parce que j'ai une double origine? Par exemple, j'ai du mal à dire « je suis tunisien, je suis français ». J'ai du mal à dire « je fais du documentaire, je fais de la fiction », c'est un peu pareil. Pour moi, je fais du cinéma. Donc, je peux dire je suis humain, je suis un être humain, bon, je suis un homme, voilà, d'accord, ok. Mais la fiction et le documentaire, j'ai jamais aimé cette différence. Ouais. On différencie trop les choses. Il est institutionnel et artificiel. Tu fais du documentaire, mais déjà, le mot documentaire, qu'est-ce que c'est laid? Alors, fiction aussi. Alors, fiction, ça voudrait dire quoi? Tu vois, que ça serait que fictif. Il y a fictif dans le mot fiction, donc il n'y aurait pas de réel. C'est ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire une fiction avec du réel et du documentaire avec du fictif? Est-ce que le fictif, c'est aussi l'imaginaire? Donc, tout ça, on s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est de faire du cinéma. Donc moi, j'ai les deux formations. Je vous reprends un petit peu parce que tout à l'heure, vous avez dit, j'ai commencé par le court-métrage, puis après j'ai fait des longs-métrages, puis du documentaire. Ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai commencé par le court-métrage, effectivement, de fiction. Je n'ai jamais fait de court-métrage documentaire sur le réel. Je cherche peut-être, j'en ai fait, mais ils n'ont pas été vus. Et après, très vite, en 1900, au même moment où je faisais Bye Bye, j'ai fait un portrait de Ken Loach qui s'appelle Citizen Ken Loach, qui est un pur documentaire dans la série Cinéma. Cinéaste de notre temps, que vous pouvez voir gratuitement sur YouTube, sur ma chaîne Karim Dridi. Voilà, c'est gratuit. Que tu remercies d'ailleurs dans le film aussi. Mais bien sûr, je remercie Ken Loach, mais ça, on pourra en parler après parce que c'est un fervent défenseur de la cause palestinienne. Et bon, j'ai eu la chance de suivre cet homme merveilleux il y a plus de 23 ans de ça, quand j'ai fait ce documentaire pour Arte. Et du coup, mais même Ken Loach, vous voyez Ken Loach, documentaire, fiction, il pousse et travailler avec des noms professionnels. La mise en scène chez Ken Loach, c'est pas du tout la même mise en scène que chez Visconti, par exemple. Et qui fait plus de la fiction, Visconti ou Ken Loach? Pourtant, les deux sont des cinéastes. Il a eu 3 fois la Palme d'Or, je crois, de fiction. Donc, ça veut pas dire grand chose pour moi, documentaire. Donc, quand je fais un documentaire, j'aime bien utiliser des méthodes de fiction, c'est-à-dire, par exemple, avant cette scène de débarquement du fils, comme ça, en pleine nature, où on a l'impression qu'il l'abandonne, il y a la scène dans la voiture. La spectatrice faisait une référence à ça. Et dans la voiture, ils ont une explication qui est la suite d'une autre scène qui a lieu avant, c'est un règlement de compte familial. On est en train de se séparer professionnellement au sein de la famille. Donc, cette scène dans la voiture, c'est une proposition que je leur fais. Je leur dis, bon, moi, je vous ai vu vous engueuler. Je vous ai vu vous engueuler à propos de j'arrête, j'en ai marre de travailler avec vous, le fils et tout. J'ai filmé ça. Enfin, j'ai vu, pardon, je fais un lapsus, mais c'est révélateur. J'ai vu ça avant de le filmer. Et quand j'ai vu cet engueulade, je leur ai dit, il faut savoir que les Arabes et les Palestiniens en particulier sont très pudiques. Donc, on peut s'engueuler, mais devant les étrangers, on s'engueule pas trop. On montre pas ça. Donc moi, j'avais quand même vu, parce que je suis quand même très curieux et j'étais à l'affût de ces choses-là. Et je leur ai dit, bon, je sais que ça va être gênant pour vous et tout, mais j'aimerais bien que vous me fassiez une petite scène d'explication entre vous. Et comme
je voyais Mounira en permanence là. Elle est en train d'écosser ses haricots parce qu'elle va faire la bouffe du soir. Mmh. Hein, elle est là, elle monte le décor, elle fait les costumes, elle s'occupe de son mari et elle fait la bouffe après le soir, comme beaucoup de femmes dans le monde. Et donc, je dis, bah, c'est génial, continue à faire tes haricots et on va s'arrêter là. Et là, il faut que vous ayez une discussion un peu comme celle que j'ai vue, mais bon. Après, si vous voulez vous engueuler, vous vous engueulez. Si vous ne voulez pas vous engueuler, vous engueulez pas. Et ça a donné lieu à cette discussion. Pour le débarquement du fils, c'est de la fiction. Parce que le fils, lui, voulait partir. Et moi, je lui ai dit, non, tu ne peux pas partir. Parce que si tu pars, on n'a plus de son. C'est lui qui faisait le son du film. Donc, je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, on met en scène ton départ. Mais s'il te plaît, ne pars pas en vrai, quoi. Donc, je l'ai supplié de rester dans le film. Pour qu'il reste, les parents étaient contents parce qu'il a continué à faire le son. Tant qu'il était là, il faisait le son du spectacle aussi. Donc, c'était bien. Il est parti quand le film était fini. Et d'ailleurs, ce qui est tragique, je vais quand même dire un truc qui est important sur la situation des Palestiniens. Ce jeune cinéaste, ce jeune technicien de cinéma, Firas, le fils, qui est un preneur de son remarquable, qui avait 27 ans quand on l'a tourné, il a arrêté de faire du son. Pourquoi? Parce que quand on est technicien palestinien, il n'y a aucune perspective de tournage parce qu'il y a très, très peu de films palestiniens. Alors, il y a les Palestiniens qui vivent en France, qui sont le grand cinéaste palestinien, j'oublie son nom. Ilyas Suleiman. Suleiman. Voilà, mais tous les jeunes techniciens palestiniens n'ont pas le droit, ne peuvent pas travailler avec l'industrie du cinéma israélien. Il me dit, mais moi, ils veulent pas de moi. Je ne vais pas être preneur de son avec une équipe israélienne. Ils ont peur que je les fasse sauter. Ils ont peur de moi. Ils ne veulent pas. Ça ne se mélange pas. Il y a un apartheid. Donc, ce garçon hyper talentueux, en France, il n'arrêterait pas de bosser, a arrêté de faire du cinéma. Donc, ça, c'est tragique. Ça. Mmh. Pour continuer sur la question qui nous a été posée, là, sur cette scène donc, de la voiture, moi, ça m'a beaucoup frappé aussi quand je l'ai vu. Je me suis dit, là, il y a de la mise en scène, d'une part, et d'autre part, il y a un montage cinéma. Parce que j'imagine que vous n'avez pas tourné à trois caméras. Donc, deux quand même. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a trois angles, hein, puisqu'il y a trois personnages et on les voit. Donc, du coup, on a véritablement une scène de cinéma de fiction, quelque part. Quoi. C'est remonté. Quoi. C'est remonté, mais du coup, ça me fait dire aussi que le purisme du documentaire me questionne aussi, parce que de fait, il y a montage de toute façon, qui est mise en scène ou pas sur le tournage, il y a montage derrière, il y a transformation de la réalité, il y a transformation de la chronologie. Donc, en réalité, la question se pose pas. La distinction documentaire-fiction est... Il n'y a pas de honte à faire de la mise en scène. Elle se fait pour des questions de production, je l'entends, pour des questions de financement, etc. Enfin voilà, on passe pas par les mêmes chemins, mais en réalité, dans un film... On raconte une histoire, quoi. Enfin... Parce que ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'elle ouvre à la suivante. La suivante, c'est les enfants qui arrivent quand il est avec le mégaphone et qui dit « Allez les enfants, venez, venez ». Et puis, on les voit débouler derrière le mur. On a là aussi l'impression que c'est complètement mis en scène quelque part, même si on peut s'imaginer que ça soit la réalité. Là, ça l'est pas. C'est complètement dingue. Par contre, la caméra est au bon endroit. Ah non, mais un coup de peau, une chance. Je le vois avec moi, je ne suis jamais venu, je n'ai jamais vu son appel au mégaphone. Je ne comprends même pas ce qu'il dit en arabe parce que voilà, je ne suis pas arabophone. Donc, du coup, c'est que l'instinct. Il est là, il a son mégaphone, il appelle. Je n'imaginais pas que les mots m'allaient arriver comme ça. Impossible. Mm-hmm. Donc ça, pour le coup, c'est absolument pas mis en scène. Mm-hmm. Même à mettre en scène, avec une équipe de cinéma, je veux bien, avec des régisseurs partout. Oui, mais là, 40 enfants qui débarquent de partout, a priori, il fallait aller les voir. Alors, une autre question qui vient. Il y a d'autres questions. Allons-y. Vas-y, Violette. Une question de Asuna Mansouri qui demande si vous avez pensé à donner plus de présence au personnage du fils, ce qui aurait fait du film une. Tout autre chose. Tu veux répondre? Moi? Oui, je pense qu'on avait de quoi éviter cette rupture, même au
tournage, on a 70 heures et on fait un film de 52 minutes. Donc, ça veut dire qu'on jette plus de 69 heures de film. Donc, effectivement, on aurait pu éviter ça. Mais moi, pour moi, c'était important, cette rupture. Donc, oui, on aurait pu mettre le fils plus longtemps. On aurait pu ne jamais le faire partir. Oui, c'est un choix. C'est un choix de réalisation. Et puis, en réalité, c'est que cette dispute, elle s'est passée sur le théâtre, sur la scène du théâtre, quand ils discutent tous les trois, la famille. Et ça, enfin, voilà, ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que Firas veut vraiment, on a vraiment marre de travailler avec ses parents. Et donc, enfin, c'est. Ils ont. Tu peux pas aller contre ça non plus complètement, quoi. Non, mais on aurait pu l'occulter. Là où ils ont joué le jeu, c'est qu'ils ont accepté quand je les filme dans leur lit, le soir. Oui. Mais avec la pudeur de vieux couple, d'un vieux couple arabe, même si ce sont des chrétiens, c'est impossible à faire une scène comme ça. Très belle scène. Il faut que ça soit des comédiens pour comprendre et pour qu'ils aient une confiance absolue en moi, de leur dire, quand j'ai dit à Radhi et à Mounira, je vais vous filmer au lit, ils m'ont regardé, je dis, non, mais vous inquiétez pas, vous serez habillé. Ça va pas être, ça va être tranquille. C'était tellement tendre, tellement amoureux. Voilà. Enfin, après, on sent beaucoup de choses, quoi, avec les bougies qui s'éteignent l'une après l'autre, etc. Il dit, tu vas laisser une bougie. Mais ça, c'est pas mis en scène, ça. Oui. Les bougies, c'est moi qui les ai mises parce qu'on n'avait pas assez de lumière. Donc, j'ai mis des bougies. Tu vois que c'est complètement dingue autour du lit, avoir toutes ces bougies. J'ai dit, moi, je m'en fous. Pour moi, c'est onirique, on met les bougies. Mais après, comment elle éteint les bougies, la lampe torche qu'elle sort, ce qu'ils se disent, c'est absolument pas mis en scène. Oui. Donc c'est un ensemble, on propose une direction et eux, parce que aussi on a affaire à des comédiens. C'est ça aussi. Ouais. Si c'est pas des comédiens, je travaille différemment. Mais j'arrive quand même à faire des choses. Mais là, je savais qu'il y avait une envie de jouer incroyable. Ouais. D'ailleurs, Mounira est pas comédienne. Elle est costumière. Ouais. Mais des fois, Radhi, dans les rushs, il avait tellement envie de jouer qu'il aime trop mal étreint. il jouait trop. Il surjouait. Oui, parfois, oui. Parce qu'il avait trop envie de jouer. Ouais. Et j'avais. Et lui dit, elle tout le temps, elle lui dit, mais ne plaisante pas, parle oui, vrai. Parce qu'elle lui parlait en vrai. Et lui, il fait parce que toi, tu parles arabe, donc tu comprends plein de trucs qui sont pas dans le sous-titrage aussi. Oui. Non. Et il y avait aussi la volonté de la productrice Emma Soisson qui me disait, Karim, fais attention parce que il va vampiriser le film. Radhi, il est très charismatique, c'est un mec et tout. Et la position de cette femme, pour moi en tant que femme, c'est important. Et c'est une femme extraordinaire. C'est vraiment une femme hyper géniale, quoi. Elle est forte, je l'adore, quoi. Oui. Donc elle me disait, il faut la filmer, il faut que tu lui donnes une place. Et dans le montage, je pense que tu as parlé de ça aussi. Il fait aussi un peu enfant, un peu son enfant. Elle le traite parfois comme son enfant. Oui. Mais il y a une scène où le fils dit, même quand il dit bonjour, on dirait qu'il est au théâtre. Quoi. Ouais. Et au début, avant cette longueur-là, justement, c'est important ce truc de dire que Radhi, en fait, joue tout le temps. Quoi. Il vit pour le théâtre et il joue dans la vie également. Quoi. Donc, Et c'est un film dont on peut d'ailleurs définir la mise en scène comme ça, comme une volonté mais constante de déjouer les pièges, tous les pièges qu'il y a. Et l'un des pièges, d'ailleurs, puisqu'il s'agit de Palestine, c'est la question du territoire, puisqu'ils se déplacent. Et on se dit, ils sont où ? Il faut chercher. Et alors qu'ils sont de part et d'autre, parfois ils sont dans ce qu'on appelle la Cisjordanie, c'est-à-dire le territoire pour expliquer, et parfois ils sont de l'autre côté. Mais cette séparation, là, ça ne se voit pas. Elle n'existe pas dans le film. Parce qu'elle n'existe pas chez le peuple palestinien. Ouais. C'est les Joubranes qui m'ont appris ça. Mm-hmm. Je leur dis, mais vous êtes chrétien. Alors quoi, on est chrétien. Et je lui dis, mais oui, mais c'est les musulmans. 80% des Palestiniens sont musulmans. Il m'a dit, mais on s'en fout, on est palestiniens avant tout. On s'en fout. Et quand tu es avec les Druzes qui se sentent vraiment palestiniens, on a fait Quatuor Galilée, c'est pareil. Ils s'en foutent. Eux, on leur interdit d'aller dans les territoires ou d'aller à Jérusalem ou d'aller à Gaza et tout ça, mais c'est chez eux. C'est leur pays. C'est comme si toi, on te dit, comme il y avait la ligne de démarcation entre la France de Vichy et la France libre. C'est pareil, exactement pareil. Parce que le mur, là, plein de films où le mur, enfin sur le mur, là, il n'y a pas de mur. Ils s'en foutent du mur. Et quand ils, moi, ça m'amusait. Quand ils
enjambe, parce qu'il y a des films en enjambe, y compris dans les films d'Ilyas Ouleymen, hein, qui sont de très très bons films. Et le seul mur qu'il enjambe, c'est quand il joue. Tu sais, quand il... C'est ma scène préférée. C'est incroyable, ça. C'est incroyable, parce que là, la question du territoire, elle se pose d'une autre manière, là où ils peuvent se bouger, enfin, je dirais, se mouvoir. Mais c'est là où il y a un mur. C'est pas... Ça, c'est... j'ai trouvé ça génial. Non, mais je veux dire, parce que moi, j'ai été chercher, hein, parce qu'il y a des endroits pas très connus aussi. Eux-mêmes, ils demandent où se trouve Haï, je sais pas quoi, etc. Alors, une fois, c'est la pelouse au-dessus, après, c'est là-bas, ensuite, c'est le Golan, c'est plus haut, etc. Et en fait, il n'y a pas d'itinéraire géographique du tout. Ça se balade comme ça, dans un espace très, très, très libre, au-delà des limites, quoi. C'est un film sur la liberté. Au fond. Aussi montrer leur propre liberté dans leur pays, celle qui s'autorise à prendre, eux, enfin, avec toutes les difficultés que ça comporte. Mais c'était important, justement. Enfin, par exemple, on ne s'est jamais questionné sur le fait de décrire les villes dans lesquelles ils arrivent, ou de l'annoncer. Enfin, ça ne s'est jamais questionné entre nous. Il y a eu toujours ce truc de plutôt du cheminement et de leur liberté à eux. Quoi. Enfin, c'était hyper important. Et la question du territoire, elle est posée dans le conte aussi, qui raconte. Oui. L'île au trésor. Tout à fait. Ouais. L'île au trésor, c'est extraordinaire. Moi, ça m'a complètement fait penser aussi au film d'Avi Mograbi, Pour un seul de mes deux yeux. Parce que dans Avi Mograbi, il est à Masada, et puis c'est l'histoire de rendez-vous, ou bien c'est la mort ou la reddition. Il y a exactement la même histoire dans L'île au trésor. Et du coup, on a une sorte de ping-pong, là aussi peut-être un contrepoint, qui est qu'on a dans l'histoire juive aussi quelque chose qui est du même domaine et qui est les Zélotes en 72 après Jésus-Christ qui sont à Masada et qui ont le choix de se rendre aux Romains ou pas. Mmh. Ça m'a vraiment frappé, ce parallèle quoi, qui montre les imbrications qu'il peut y avoir aussi sur ce territoire. Ça veut dire qu'on peut lire le film à plusieurs niveaux. Mmh. On peut le voir comme vous là-bas, là, pour voir ça, il faut vraiment être prof d'histoire, hein, ça, c'est sûr. Hein, parce que ça, faut être calé. Hein. Mais on peut le voir comme ça, on peut le voir du côté politique, mais on peut le voir, il y a des gens qui l'ont vu et qui connaissaient rien, mais qui en ont rien à faire. Des Palestiniens, des Israéliens, c'est pas leur problème. Mmh. Par contre, la vieillesse, l'engagement, la famille, l'amour, le couple, tout ça, c'est des valeurs vraiment universelles, quoi. Et là, on peut se rattacher à ça. Et c'est ça qu'on a envie de faire dans cette série, parce que l'idée, c'est de faire une série sur les identités palestiniennes. Bon, mais ça serait bien qu'on ait un peu de financement quand même. Il y a une question ? Oui, Violette. Il y en a encore plusieurs questions, mais il y en a deux qui rentrent plutôt en résonance avec ce qui est en train de se dire. Sophia, qui vous félicite pour ce film, se demande ce que racontent les spectacles écrits par Radhi et Mounira et s'ils transportent un message politique. Je pose tout de suite la deuxième question. Oui, allez-y. Jonathan écrit « Lorsque Radhi questionne les jeunes filles sur leur identité religieuse et géographique, elles ne sont pas sûres de leur réponse. Ce flou identitaire est-il particulièrement lié aux jeunes ?» Alors, la première question, c'était… Les spectacles. Le spectacle, oui. Alors, les spectacles, notamment un spectacle, a vraiment un rapport parce que c'est une île qui est envahie par des pirates. Et les habitants de cette île se défendent contre ces pirates qui viennent voler leur trésor et leur terre. Donc, la métaphore, elle est plus qu'évidente. Voilà. Ça, c'est le premier truc. Et ça parle énormément. Et c'est le spectacle qui a été écrit par Radhi. Il sait pourquoi il l'a fait. Et il trimballe ce spectacle depuis des années, d'école en école. C'est une manière de conserver... c'est comme pour le peuple juif, là, cette idée de on doit garder l'histoire et son identité, c'est garder son identité. C'est aussi un film qui parle de l'identité. Et je réponds à la deuxième question qui parle d'identité. Quand il questionne ces jeunes bédouines dans le Golan, dans le désert du Golan, il leur demande « Mais tu es arabe ? T'es palestinienne ? T'es israélienne ?» Alors les petites, elles sont perdues. « Oui, je suis arabe, je suis musulmane. » Mais elles ont du mal, elles ont été tellement acculturées. Il y a eu un lavage de cerveau tellement fort parce que cette région-là est vraiment, les Bédouins ont un statut spécial. Après, il faudrait rentrer dans la géopolitique, mais c'est vraiment l'art du colonisateur, c'est diviser pour régner.
Donc, c'est comme les Français au Maghreb. Toi, tu es kabyle, toi, tu es berbère et tu n'es pas arabe parce que notre ennemi, c'est les Arabes. Et c'est pareil. Là, l'ennemi, c'est palestinien, musulman, mais toi, tu es chrétien. Hein, et c'est vraiment très, 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 très fort cette acculturation. Et pour les Bédouins, ben, les Bédouins, vous êtes Bédouins, vous êtes Arabes, vous êtes musulmans, super et tout, parce que en Israël, c'est écrit sur la pièce d'identité. Oui. C'est écrit sur la pièce d'identité, votre religion. Oui. Vous êtes palestinien, non, c'est jamais écrit, mais vous êtes chrétien, ou vous êtes musulman, ou vous êtes druze. Donc voilà, vous avez le droit d'être ça, mais pas palestinien. Il faut enlever le mot palestinien. Palestine, c'est comme disait Goldheimer, c'est la Palestine, c'est ça n'existe pas. Le peuple palestinien n'existe pas, c'est une invention. Tu t'imagines, quand tu dis ça, ton peuple n'existe pas. Donc ce film-là est fait pour montrer que non seulement le peuple palestinien existe, qu'il existera tout le temps, et que dans le peuple palestinien, il y a énormément de diversité. C'est un petit, tout petit pays avec de ce que je connais, des musulmans, des chrétiens et des druzes. Et peut-être qu'il y a des athées aussi, parce qu'il y a aussi dans tous les pays arabes, il y a des gens qui sont athées, quoi. Hein, donc ça fait au moins 4 groupes hyper forts, avec des cultures très variées. C'est énorme, énorme, énorme. Enfin, en tout cas, sur la question générationnelle, je pense que oui, c'est quand même principalement les plus jeunes. On avait une autre scène avec des enfants, des garçons plus jeunes, où ils posent la même question et la réponse est la même. C'est-à-dire, on n'a pas mis les deux parce que bon, voilà, y a des choix à faire. Mais en tout cas, je pense qu'elle est quand même assez générationnelle. C'est-à-dire que les Bédouins plus âgés que tu as rencontrés, ils sont pas dans ces questionnements-là. Ils savent, au contraire, même, ils sont dans la revendication de leur identité. Ils sont pas perdus comme les plus jeunes, quoi. Oui, ou le maître d'école là qui parle avec son micro, oui. Lui, il travaille avec le gouvernement israélien. Lui, il va te dire qu'il est israélien, que c'est un bédouin israélien. Par contre, le bédouin qui est dans sa tente, qui a eu son village détruit 50 fois, qui a rien, il dit mais c'est moi. J'adore comment. Ah, celui qui dit ça, de toute façon, voilà, dans l'histoire, là, ça n'existe, la colonisation, un jour ou l'autre, ça va disparaître. Non, c'est le très très vieux. Au bord de la route, un monsieur qui doit avoir une cinquantaine d'années et qui a eu son village détruit 50 fois et qui dit, mais c'est ma terre. C'est Moi, je suis arabe, je suis bédouin, je suis là, c'est chez moi. Donc, l'idée de la terre, du territoire, de l'appartenance à une identité palestinienne, c'est aussi une thématique du film fondamentale. Mais elle n'est pas abordée de manière frontale et j'espère pas trop. En même temps, enfin, en y pensant là, c'est quand même vraiment un enjeu qui est, même si on n'en parle pas plus que ça chez les jeunes, mais c'est quand même un enjeu pour l'avenir. Ça questionne. Je comprends la question. Enfin, des enfants qui ne savent pas s'ils sont israéliens, palestiniens, ça questionne sur le monde à venir quand même. Quoi, oui, ça dit quelque chose. Tu imagines la même chose en France. Bah alors, t'es français, t'es chrétien, t'es quoi? La scène dont vous parliez, là, qui est avec le directeur d'école avec son micro, qui est un petit peu coercitif quand même. Donc, tous les élèves sont supposés aller voir les marionnettes. Et tout d'un coup, se met en place une musique de type symphonique. Et on voit tous ces élèves avec leurs chaises qui convergent vers la salle. Mmh. Et là, on a une sorte de respiration, mais c'est assez étonnant dans le film. Alors justement, Olivier, parce que je voulais parler de ça aussi, en réfléchissant aussi à ce que nous sommes en train de se dire. Et en fait, je me suis dit, lorsque le fils est parti et qu'ils sont restés seuls, c'était pour moi, en tout cas, le film, je l'ai pensé comme ça, non seulement une manière de les libérer, eux et lui, mais aussi de les mettre d'emblée directement en rapport avec les enfants. Parce que l'apparition des enfants dont on parlait tout à l'heure et dont tu disais qu'elle est venue comme ça, à chaque fois dans le film, va au-delà de l'anecdote, c'est-à-dire de l'événement lui-même, des enfants qui arrivent. En fait, à chaque fois, ces vieux, entre guillemets, fatigués, ça fait longtemps qu'ils sont là, qui répètent avec tout ce qu'ils portent sur leur corps, etc., de stigmates du temps. Et quand ils arrivent devant les enfants, ils sont filmés d'une manière telle que tout d'un coup, quelque chose s'ouvre de frais, quelque chose de neuf, une espèce de vie comme ça, quand on les regarde, quand ils sont complètement émerveillés comme ça. Et je me suis dit, là, il y a une dramaturgie.
effectivement. Il y a vraiment une vraie dramaturgie, se débarrasser du vieux garçon, enfin jeune, et les mettre en face de quelque chose de beaucoup plus... et qui fait qu'il continue. Je pense que s'il continue et qu'il revienne, c'est justement grâce à ce regard-là d'émerveillement de ces jeunes qui fait crever l'écran, quoi. Ça, c'est évident, quoi. À chaque fois, c'est dramaturgiquement. Moi, je sens que c'est travaillé. Enfin, je sais pas comment montage. Enfin, je disais tout à l'heure, on est parti. Enfin, pour moi, c'était un pilier, quoi. Le regard, ces visages d'enfants, c'est leur pilier à eux. C'était le pilier du film, enfin du montage, quoi, clairement. De se baser sur ces visages d'enfants, on savait que ces plans-là seraient dans le film coûte que coûte. Les autres, on savait pas. On fait toujours des choix et il y a plein de plans, on savait pas s'ils y seraient. Une chose était sûre au début du montage, c'était qu'on verrait les visages d'enfants. Et que c'était ça qui allait donner effectivement, pour moi, ouais, enfin, c'est juste, enfin, c'est un peu leur fontaine de jouvence, quoi. À chaque c'est fois ça. Qu'ils y retournent, ça leur redonne de l'énergie, quoi. Et c'est la raison pour laquelle ils y vont aussi. Je pense que ça marche dans le film. Enfin, c'était un tel plaisir de filmer des gosses qui regardent un spectacle n'importe où dans le monde, c'est magnifique. C'est ils sont là, tu vas filmer, comment ça s'appelle, notre marionnette française là. Tu sais, il tape dessus. Guignol. Hein, guignol. Les guignols et tout. Tu montes ça ou des trucs. Ah, les gosses, c'est un spectacle génial. Ouais. Quoi. Ouais. Magnifique. Violette, oui. Oui, je vais vous lire un commentaire d'Odile Sissoko. Magnifique documentaire qui réussit à mobiliser nos émotions autant dans la volonté de résistance de la population face à la colonisation que dans la complicité, la tendresse et la volonté sans faille de ce couple. Merci pour ce travail. Mmh. Ensuite, on a une question de Sébastien qui se demande s'il y a eu un contrôle particulier des autorités au moment du tournage, lesquelles, et si ce film a pu être vu en Palestine. Alors, le film n'a pas été encore vu en Palestine à cause du Covid. On a été vraiment là bloqué à cause de ça. Sinon, c'était prévu de faire toute une tournée avec le film. Et Radhi et Mounira, c'était même prévu que Radhi et Mounira viennent au Mucem. Il y avait une projection de prévue au Mucem et tout, faire venir Radhi et Mounira en France. Ils auraient pu venir là, si. Et quoi, c'est quoi l'autre question ? Contrôle, le contrôle. Et les autorités. Les autorités, j'en ai vaguement parlé tout à l'heure. Arriver à l'aéroport avec du matériel, c'est assez compliqué. Pourquoi vous ? Moi, quand ils ont ouvert ma valise, ils ont vu des keffiers et ils m'ont dit, mais pourquoi ? C'est quoi ? Pourquoi vous achetez des trucs comme ça et tout ? Des questions comme ça. Hein. C'est compliqué. C'est une expérience. Après, nous, on était un tout petit tournage, donc avec des petites caméras, un peu style amateur et tout. Et on avait quand même pris la précaution de dupliquer les rushs. On était assez paranoïaque quand même, et de faire passer les rushs par la valise diplomatique française. Et moi, passer avec les rushs. Donc, au cas où on m'arrêtait, parce que c'est arrivé déjà, hein, plein de fois, ils arrêtent, ils vous saisissent les rushs. Et ils ne voulaient rendre pas parce que c'est sujet sensible et tout. Et nous, ils ont regardé le matériel, ils ont regardé les rushs et ils ont vu des gamins, des marionnettes et tout. Bon, il y a 70 heures, donc c'était compliqué pour eux. Et donc, ils nous ont laissé passer. Mais peut-être maintenant, si le film a été passé sur Arte et tout ça, peut-être qu'on ne passerait plus. Hein. Je ne sais pas. Mais là, comme on est... Il faut savoir quand même qu'Israël paye des gens pour surveiller les réseaux sociaux, hein, et payer des trolls, on appelle ça, hein, pour venir dans les débats, dans les trucs vraiment sur votre page Facebook et s'immiscer dans les conversations quasi privées, quoi, où vous auriez envie de défendre les Palestiniens ou défendre le boycott des produits qui viennent des colonies. Voilà. Donc c'est peut-être que pour le prochain film, on va peut-être avoir plus de problèmes. On verra. J'ai encore une question de Sébastien. Malheureusement, il y a un mot qui n'est pas passé, donc je vais la transmettre avec un mot en moins, mais c'est quand même compréhensible. Je trouve qu'on oublie très vite la caméra et qu'on est porté par Radhi et Mounira. J'ai le sentiment qu'on voit très peu le cadre du, mais plutôt les coulisses. Est-ce que ce parti pris est aussi une manière de nous inviter à voir différemment ce qui se joue en Palestine ? Oui, c'est ça, c'est voir les coulisses, c'est ça, c'est pas
c'est une invitation. C'est, j'aime bien cette idée d'invitation au regard. C'est pas une direction du regard, c'est une invitation. Ouais, sur les coulisses, somme toute banales d'un couple de marionnettistes qui voyagent. On aurait pu montrer des trucs plus durs et tout, mais c'était pas l'idée. L'idée, c'est d'être que l'ennemi en face, c'est-à-dire celui qui est contre. Moi, quand je dis l'ennemi, c'est celui qui dit le peuple palestinien n'existe pas, le colonisateur, celui qui est pro colonisation israélienne. Celui-là n'est pas d'emprise sur le film. Et ça m'a fait rire une fois. Je l'ai montré à. J'ai un ami qui est sioniste. On a tous un ami bizarre. Donc moi, mon ami, il est sioniste. Je l'aime beaucoup humainement, mais bon, c'est comme si j'ai un ami fasciste hein, pour moi. Hein. Donc j'ai beaucoup de mal. Et tu te rappelles, on lui a montré un des films qu'on avait fait, et il était furieux parce qu'il y avait que de l'amour dans le film et qu'il n'y avait pas de guerre. Il dit mais ils jouent au tennis, tes Palestiniens. C'est dans Quatuor Galilée. Il y a une famille qui joue au tennis. Ils parlent l'anglais, ils parlent l'hébreu. C'est pas des gens dans un camp. Et ça l'avait énormément dérouté. Bon, faut dire qu'il a quand même contribué dans le crowdfunding, mon ami sioniste. Oui, mais justement, l'histoire, parce que nous, quand on va dans les écoles de cinéma, hein, déjà, même quand il n'y a pas de guerre, on dit, il y a un scénario, il n'y a pas de conflit, c'est pas un scénario, il faut qu'il y ait un conflit. Or là, le sujet, c'est un sujet, comme on dit, qui porte justement sur le conflit. Or, le conflit, il n'y en a pas dans le film. Alors, c'est pas qu'il n'y en ait pas, c'est pas que ça n'existe pas, c'est effacé. Mais moi, j'ai vu, pas des métaphores, mais quelque chose qui est entre l'euphémisme et la métaphore. Je donne un exemple très simple. La fumée, il y a un jeu. D'abord quand avec les marionnettistes, parce que elle à un moment donné, elle est en bas, elle utilise je sais pas quoi pour dégager du. Et alors ça fait un drôle d'effet parce que ça fait à la fois jeu et en même temps c'est comme s'il y avait une guerre. Mais à un moment donné ça change quand la voiture tombe en panne. Et quand la voiture tombe en panne, à ce moment-là, elle lui dit éloigne-toi. Et on a l'impression qu'il y a c'est comme s'il avait un jeu sur le grand conflit qui n'est pas là en apparence, mais à travers ces petites métaphores comme ça, qui mine de rien, qu'on ne voit pas, mais qui font partie de la logique, enfin, du récit, effectivement, il y a des allusions comme ça que je trouve moi extrêmement subtiles par rapport à ça. Mais vous avez parlé de la musique sur le rythme musical. Paul a parlé du rythme tout à l'heure et vous avez parlé de la musique au début. C'est vrai que la dramaturgie du cinéma, on aime le conflit. Et il y a un travail, surtout dans la fiction et même dans le documentaire, où le conflit structure. Le rythme, la structure vient du conflit. Et ça, c'est une règle basique des scénarios en trois actes qui vient du théâtre avec un conflit. Un point culminant à la moitié du récit. Bon, il y a toute une structuration comme ça. Mais quand on fait un film où on met le conflit vraiment à l'arrière et que la musicalité prend le pas, c'est-à-dire le rythme, c'est une proposition différente. Et pour nous, en termes de cinéma, c'est une aventure beaucoup plus intéressante que de travailler dans cette fameuse structuration classique qui peut donner des films remarquables. Hein, c'est pas le problème, hein, ça marche très très bien aussi. Mais de s'éloigner de ça et de se dire comment on peut trouver un rythme qui soit plus proche de la musique que, on va dire, du théâtre, par exemple. Même un rythme plus proche de la vie, en fait. Enfin, plus proche du quotidien et de la vie, c'est aussi ça, quoi. C'est-à-dire que on n'est pas là pour attendre le climax du film et pour le conflit intense. C'est vraiment aussi, il y a un côté au jour le jour avec eux et ça, fallait que ça se ressente aussi. Enfin, je pense que c'est ce que tu fais dans tes films et... Ouais, c'est très, très beau, quoi. Être bien avec eux et passer 52 minutes, c'est magnifique que des gens, moi je trouve ça, c'est ça qui m'émeut tout le temps et qui m'enthousiasme dans le métier de faire des films, c'est que là on parle de Mounira, Radhi et tout ça, que les gens ont vécu un petit peu pendant 52 minutes avec eux et c'est ça la magie pour moi du cinéma, c'est de rentrer dans l'intimité, dans l'intime de personnes qu'on n'aurait pas l'occasion de pouvoir entrer dans leur intimité, quoi. Voilà, c'est une proposition, 52 minutes, on va être avec eux dans leur camionnette et au bord de leur lit à un moment, dans leur cuisine.
Et moi, je voudrais juste donner une précision sur la question qui était posée tout à l'heure sur les spectacles, sur la question du cadre, parce que moi, quand j'ai découvert les rushs, j'avoue que j'ai presque été déçu de pas voir les spectacles de marionnettes. C'est-à-dire qu'en réalité, Karim et Julien, ils ont quasiment pas filmé les marionnettes, en fait. Ils ont filmé les enfants et Radhi et Mounira. Et sur le coup, j'ai eu une frustration, la frustration de monteur de pas avoir, ah, vous avez pas mis ça, enfin, vous avez pas filmé ça. Et en réalité, j'ai compris, en fait, l'idée qui était très belle, quoi, qui était, en fait, la relation entre Radhi et Mounira et les enfants. Et elle se joue là. Donc, les marionnettes, on les voit pour voir qu'il y a des marionnettes, mais elles ont pas leur importance, en réalité. Ce qui était important, c'était de voir la relation de couple et en direct les enfants en face, quoi. C'est ça que je trouve très beau, quoi. Cette relation de couple, elle est extraordinaire parce qu'ils arrêtent pas de se houspiller. Et en même temps, ils s'aiment complètement, quoi. Enfin, je veux dire, ils ont un accord entre eux, fait d'humour permanent mais ils se cherchent sans arrêt. C'est incroyable. Et ça, c'est très jouissif quelque part à voir parce que c'est très humain et on rentre complètement avec eux, quoi. Je voulais dire encore autre chose. Justement, dans cette respiration-là du film, savamment conduite, et subtilement conduite, les espaces extérieurs, parce que j'ai regardé beaucoup les espaces extérieurs, parce que bon, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Évidemment, quand il y a l'espace extérieur, on va voir l'espace, le territoire, c'est qui est au cœur de l'enjeu. Et j'ai vu, alors tu me corriges, vous me dites, le rapport des personnages quand on les voit de près par rapport à l'espace extérieur. Bon, il y a des fois où c'est direct, quand il lui dit là-bas, tu sais, le Golan, l'autre, il y a le village, etc. Il y a des indications de territoire, enfin, qui dessinent cet espace qui est au centre du conflit. Mais d'une manière très générale, quand on voit les personnages, l'espace ne fonctionne pas comme un décor extérieur. C'est pas simplement juste un lieu où... on le sent, mais je ne sais pas comment, moi je n'arrive pas à dire ça, mais on sent que cet espace-là qui défile derrière, c'est vraiment c'est ça le sujet du film. Je ne sais pas, dans ces scènes-là d'extérieur, quand vous passez de l'intérieur vers l'extérieur, je sais pas comment ça a été. Enfin, moi je pense que c'est parce que c'est eux qui le font exister, en fait. Je pense à deux moments en particulier dans le film. Il y a le moment où effectivement il y a l'explosion, où du coup ils regardent le paysage parce qu'ils prennent le temps de le regarder aussi. C'est pas seulement Karim qui montre, enfin Karim et Julien qui montrent le paysage. C'est Radhi et Mounira qui regardent le paysage. Du coup, le paysage existe au travers de leur regard et en plus ils en parlent. Donc il y a ce moment où ils sont à la frontière syrienne et l'autre moment c'est le moment où il fait le gorille devant sur son rocher et il fait le gorille face à un paysage où on voit au loin un camp. Tout à fait. Et du coup, ils font exister eux-mêmes. Enfin, c'est eux qui font exister le paysage. Donc, en ça, c'est pas juste montrer le paysage, effectivement. Ouais. Jusqu'à faire pousser les oliviers. Parce qu'à un moment, il n'y avait pas d'oliviers du tout. Enfin, et puis, à la fin, on voit tout un champ de... J'aurais une dernière question sur le... On parlait de crowdfunding, donc de financement participatif tout à l'heure. Moi, je suis programmateur à Tank. Alors, je raisonne par rapport au fait que Tank a participé au financement du film. Comment ça s'est passé là, puisque le financement qui est nouveau chez Tank, comme ça, qu'ils arrivent maintenant à pouvoir participer à des films. Donc, Tank qui est une plateforme de VOD, de documentaires de création, absolument remarquable, j'insiste. Le principe de cette action, c'était de pouvoir permettre à des films de se terminer, en fait, quoi. Est-ce que c'est ça qui s'est passé ? Oui, tout à fait. On a été pris, c'est les spectateurs de Tank qui votent, hein, parce qu'il y a plusieurs trucs. Et là, c'était ça. Donc, moi, je connaissais Jean-Marie Barbe. Que j'admire, j'adore cette plateforme et tout, c'est vraiment un truc extraordinaire. Et Jean-Marie me dit, moi, je veux bien t'aider parce que la Palestine, tout ça et tout, je veux bien, mais il faut que ça passe devant un comité. S'ils aiment, oui, s'ils aiment pas, bon, bah, je verrai moi perso ce que je peux faire, mais au nom de Tank, je pourrais rien faire. Et ça a été, on a présenté le dossier et c'est passé. Ils ont beaucoup aimé l'idée.
Et on a pu faire l'étalonnage du film chez Tank. Toi. C'était une manière de nous aider. Ça nous a bien, bien aidé. Puis même de se sentir soutenu, puisqu'on avait été jeté de partout. Personne ne voulait prendre ce film. Et de voir que, ben, il y avait quand même des gens qui aimaient. Et la preuve que maintenant, on le sait qu'il y a des gens qui aiment le film. Mais au début, quand t'as pas fait le film encore, tu te dis, ben, peut-être que c'est pas bon. Peut-être que le projet, il est pas bon. Tu ne le sais pas avant de... Voilà. Et on a eu quand même Tank qui nous a vraiment, vraiment aidés. C'était bien. Et Al Jazeera, c'était un préachat ou bien... Et Al Jazeera, oui, c'était un préachat. Ouais, ouais. C'était un préachat. Ils n'interviennent pas spécialement sur les contenus. Quoi. Ben, ils ont essayé, mais on leur a dit, on s'en fout de... Non, c'est ça ou c'est rien. À un moment donné, ils voulaient plus de ci, plus de ça. On leur a dit, non, ça ne marche pas comme ça. On vous fait ce film-là, c'est ça. Vous prenez pas. Et voilà, ils ne l'ont pas encore diffusé. J'espère qu'ils vont le diffuser. Voilà. Donc, on est très contents d'avoir eu ces partenaires. Oui. Une question. Violette, oui. Une dernière question d'Antoine qui demande pourquoi avoir fait une durée de 52 minutes et pas plus long ? Espérez-vous une diffusion télé ? Pourquoi pas plus long ? Ben parce que il y avait... Ma hantise, moi, c'est d'ennuyer le spectateur. C'est que le spectateur s'ennuie. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Et je pense que le film, il a la bonne durée. J'ai un projet de documentaire aussi, et projet de fiction, mais un projet de documentaire, je pense que la durée sera 1h30 et pas 52 minutes. Là, c'était 52 minutes. Et puis, j'avais envie que ce soit un film qui soit vu à la télévision. Je n'ai pas eu la télévision qui m'a aidé, sauf qu'on a eu quand même des... On a eu Tink, on a eu Via Occitanie, Vosges, une télévision dans les Vosges, j'ai oublié le nom, Via Vosges. Donc, des petites chaînes locales comme ça qui nous ont aidés. Votre festival, d'autres festivals. Donc, on a... Voilà, c'était l'idée que ça soit un... Sa durée, c'était ça, pas plus. Ouais, et puis il y a aussi une question un peu de quelque chose de vraiment naturel. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus cherché le 52 minutes. On avait une version de 70 minutes et qui nous semblait trop longue, tout simplement. Enfin, en fait, on avait l'impression qu'on patinait à plusieurs moments dans le film. Et en fait, en coupant, enfin, assez naturellement, en fait, on arrivait à une version qui faisait, je sais plus, 50 minutes ou 51, quelque chose comme ça, avec le générique, ça fait 52. Mais c'était pas, enfin, il n'y a pas eu de calcul, quoi. Après, ça s'est joué sur les questions de production, mais ça s'est fait naturellement, quoi. Moi, je préfère qu'il y ait une petite frustration. J'adore cette question parce que ça me fait dire que peut-être que le spectateur aurait aimé que ça dure plus. Donc, je préfère que le spectateur sorte de la salle en se disant, j'en voudrais plus. Et voilà, je préfère avoir ça que l'inverse. Il y a 20 minutes de trop, quoi. Il y a, juste pour terminer, il y a la fin du film, le plan final où défile le générique est alors véritablement un plan de mise en scène. À fond. Où on voit donc l'un et l'autre avec la valise qui prennent le chemin de la route, comme ça on sait pas trop vers où. Et on voit, c'est Charlot qui part, c'est le Lonesome Cowboy qui part. Qui part sur son chemin solitaire, et ça résonne complètement avec le film. Donc, merci pour cette fin aussi. C'est exactement ça. Pour moi, c'est Chaplin. Alors, je ne sais pas quel film, c'est des images d'enfance, c'est les premières images. Moi, je me rappellerai toute ma vie les premières images que j'ai vues. Je devais avoir 5-6 ans. La première fois que je vois un film projeté à l'école, ça m'a marqué, voilà, c'est la projection, et c'était peut-être un Charlie Chaplin, et voilà, c'est un hommage. Et parce que aussi, Radi a un côté Chaplin, il y a un côté comme ça, saltimbanque, et cinéma muet aussi, que j'avais envie de mettre. Et puis même un petit côté western aussi global, hein, dans ce alors, contexte. Une question anecdotique. La voiture, elle est tombée vraiment en panne ? Elle est... La question, elle est vraiment tombée en panne, mais pas dans le plan qu'on a filmé. Elle est tombée en panne avant, elle est tombée en panne après, mais au moment où je voulais qu'elle tombe en panne, elle n'était pas tombée en panne. Alors, c'est vous qui avez mis la fumée ou... Et je suis très 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 content de mon effet spécial. C'est la première fois de ma vie que je fais un effet spécial. Et c'est moi, personnellement, je n'ai pas filmé, là c'est Julien qui a filmé,
Et j'étais avec la machine à fumer, leur machine à fumer, la même, la même. J'adore, la, ah, leur, voilà, machine à fumer, pour ça sous la bagnole, pour faire la fumée. Mais ça, ça démystifie un peu le, oui, truc, c'est dire un peu la cuisine du machin. Oui. Mais oui, oui, c'est... Mais de toute façon, il faut qu'ils achètent une autre bagnole, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est vrai que le duo avec Julien Gerstner, on ne l'a pas abordé. Comment ça se, ça se passait ? Julien Gerstner, il est historien, comme, oui, vous. Oui. Je pense que vous êtes très, très bien entendu avec Julien. Parce qu'il adore l'histoire, comme vous, le cinéma aussi. Il faudra le réinviter. Il a fait une thèse sur l'image du cinéma, de l'arabe dans le cinéma français, voilà, depuis les années. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. C'est comme ça que Julien est venu vers moi. Il a fait, ça s'appelait Nouvelle Vague. Mmh, et il interviewait des réalisateurs d'origine maghrébine ou arabe sur l'image de l'arabe dans le cinéma. Mmh. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Après, il m'a dit, moi, la Palestine, j'adore, je te suis, on y va et tout. Donc, on est parti et voilà. Et Julien est maintenant réalisateur tout seul, oui, comme un grand. Mmh. Il prépare un très, très, très beau projet. Voilà. Faut l'inviter, quoi. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour cette participation. Merci à vous, public, hein, d'avoir de nous avoir suivis jusqu'ici. Et puis, eh bien, le festival continue. Et ce soir, donc, nous avons la possibilité à 22h de nous retrouver pour discuter des 4 courts-métrages que vous pouvez voir via la page Facebook, on va dire, mais qui sont en ligne et qui sont très beau. Merci à vous et merci.